Je vous remercie et bienvenue dans notre webinaire dédié à la présentation des appels à projets infrastructures de recherche 2024 du programme Horizon Europe. Donc, les destinations dans ce programme sont InfraDev, InfraEOSC et InfraTech. Donc, nous allons vous montrer un peu les astuces pour bien répondre à ces appels à projets. Ce webinaire est organisé par le Point de contact national infrastructure de recherche, dont je vous rappelle ici la composition. Donc voilà, vous avez Amadou Mané, Pascal Bourri et moi-même. Je coordonne donc cette infrastructure, ce point de contact national des infrastructures de recherche. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement mes deux collègues pour leur engagement et pour investissement dans ce travail. J'en profite aussi pour remercier les invités à ce webinaire. Donc, nous allons bénéficier de la présentation d'Agnès Robin, qui représente la Commission européenne, de Marcos Dracos, qui va partager avec nous son expérience de montage d'un projet InfraDev, mais aussi mon collègue de la DGRI, Volker Beckmann, qui va nous présenter les appels et offres. Donc, tout ça, on va voir un peu plus tard en cours de notre webinaire. Donc, ici, vous voyez le programme de webinaire. Je voulais juste aussi mentionner un point organisationnel. Ce webinaire sera enregistré afin de mettre ensuite les slides sur notre site du Horizon Europe. Et donc, comme ça, on pourra partager au maximum les informations que nous allons donner ici avec tous les porteurs de projets intéressés par tous ces appels. Voilà. Donc, ici, sur cette slide, vous voyez le programme. Nous souhaitons vous présenter les objectifs et les attendus des trois appels qui s'ouvrent en décembre, avec la deadline de soumission le 6 mars 2024. Donc, ce sont encore une fois InfraDev, InfraEOSC et InfraTech. Ce sont les appels réguliers du programme de travail infrastructure de recherche dans Horizon Europe. Nous sommes donc ravis d'avoir parmi nous aujourd'hui Agnès Robin, chef du secteur infrastructure de recherche dans l'unité Open Science and Research Infrastructures à la Commission européenne, qui nous présentera les attentes de la Commission et qui pourra également répondre à toutes vos questions. Deux destinations seront particulièrement mises en lumière, c'est InfraDev 0101 et InfraTech 0101, grâce aux interventions plus détaillées de nos points de contact nationaux, donc Pascal Bourri pour InfraDev et Amadou Mané pour InfraTech. Ils vous présenteront quelques leçons tirées de l'analyse des rapports d'évaluation des projets déposés dans le cadre de ces appels en 2022, afin de vous donner quelques conseils pour l'écriture de projets de cette année. Donc, vous allez pouvoir profiter également d'un témoignage du lauréat d'un appel InfraDev 2022, Marcos Dracos, qui partagera avec vous son expérience et ses conseils concernant la préparation et l'écriture du projet de ce type. Et enfin, nous allons pouvoir bénéficier de la présentation et d'explication de la destination InfraEOSC, faite par Volker Beckmann, comme je dis, notre expert dans ce domaine au ministère de la Recherche, au SSRI. À la fin de la présentation de chaque destination, nous avons prévu un temps pour les questions et les réponses, ainsi qu'à la fin de notre webinaire aussi, nous espérons avoir quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, nous vous invitons de poser les questions plutôt oralement. N'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Nous allons cependant privilégier les questions orales, mais bien sûr, nous allons surveiller le chat afin de pouvoir au mieux vous renseigner. Et si jamais on n'a pas le temps, on va prendre les questions écrites, on va essayer de vous répondre après le webinaire. Donc, sur la slide suivante, vous allez voir le récapitulatif de tous les appels infrastructures. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et voilà ici.
Bon, c'est un peu petit, juste avant, Pascal. Voilà, ici, donc, vous avez toutes les infrastructures qui seront ouvertes à partir du 6 décembre, donc 2023, qui ferment le 12 mars 2024. On va, comme je dis, on va passer maintenant plus en détail dans chaque présentation. On va s'arrêter sur ces appels. Et donc, voilà, sachez que les appels sont très compétitifs. Nous pouvons et nous souhaitons vous aider au mieux afin de vous préparer, afin que vous réussissiez dans vos démarches européennes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, maintenant, je vous propose de passer à la présentation de Agnès Robin, qui est donc chef du secteur infrastructure de recherche à la Commission européenne, qui nous donnera une vision générale des appels InfraDev, de ses objectifs et de ses attendus. Donc, Pascal, on peut passer au slide suivant. Et même si ça ne marche pas de ton côté, je pense que Agnès, voilà, Agnès peut prendre la main peut-être sur les présentations. Bonjour à tous. Alors, je vais juste d'abord récupérer la présentation. Est-ce que vous voyez, vous m'entendez bien et vous voyez ce qu'il Oui, très faut? bien, parfait, parfait, Alors, merci. super. Donc, bonjour. Donc, je travaille à la Commission. Je suis à la DG, la Direction générale pour la recherche et l'innovation, et responsable, comme a indiqué Elena, du secteur infrastructure dans l'unité qui s'occupe de la science ouverte et des infrastructures de recherche. Alors, donc ça, on va passer aussi. Donc, ça, c'est juste une petite diapositive qui présente l'ensemble des objectifs et de l'impact attendu de toute la destination InfraDev. Donc, pas seulement des sujets qui sont présentés, discutés aujourd'hui, mais d'ensemble des appels à propositions et des sujets dans cette destination pour à la fois 2023 et 2024. Donc, c'est vraiment l'objectif général de cette destination qui est le soutien à tout ce qui est stratégique pour la politique et la stratégie pour les infrastructures en Europe, de renforcer le rôle des infrastructures aussi au niveau international pour avoir un paysage d'infrastructures en Europe qui soit vraiment compétitif au niveau mondial, mais qui soit aussi cohérent, agile, qui puisse répondre à des besoins pas toujours anticipés, mais et aussi pérenne et bien sûr attractif au niveau européen. Donc l'idée, c'est de réduire la fragmentation, même s'il y a eu des progrès de fait, donc de continuer cet effort de réduire la fragmentation, d'avoir quelque chose de plus cohérent au niveau européen, national et aussi régional, d'assurer un certain niveau de coordination et de cohésion et de promouvoir des priorités communes entre les États membres, les États associés, et de connecter au maximum avec le EOSC. Voilà. Et aussi de vraiment avoir un paysage qui va d'infrastructures qui vont soutenir les besoins en recherche et innovation au niveau national et régional en plus du niveau européen. Donc là, vous voyez une liste d'impacts qui sont attendus et donc tous les sujets ne vont pas couvrir tous ces impacts, mais vous avez une liste assez classique de l'impact des projets qui vont être financés. Alors, je passe tout de suite au premier sujet qui est le développement de concepts.
Donc, le type d'action, je vais essayer d'aller assez vite parce que je crois que ça va être développé un peu plus tard. Donc, c'est une action de recherche et innovation. Le budget total est d'environ 12 millions. On attend des projets de l'ordre de 1 à 3 millions chacun. Et donc, un nombre de projets financés autour de 5. Mais bien sûr, ça va dépendre du budget individuel de chaque projet. La forme des coûts éligibles, ce sont des lump sums. Je n'ai plus l'équivalent en français. Donc, l'appel lui-même ouvre bientôt et la date de clôture est, pour tous les sujets présentés aujourd'hui, est le 12 mars 2024. Donc là, ce sont ce qu'on attend du projet. Et j'ai mis en bleu ce qui est vraiment les résultats attendus des projets et en noir ce que je considère être plutôt de l'impact plutôt que des résultats concrets des projets lui-même. Donc vraiment, ce qui est important d'un projet de concept, c'est que ça, à la fin, il y a vraiment une aide à la décision et au planning pour les nouvelles infrastructures au niveau national, donc pour les financeurs, les gouvernements, et au niveau européen, et on pense en particulier au Esfri. Et donc, le projet doit pouvoir présenter le cas scientifique, démontrer la nécessité scientifique pour la nouvelle infrastructure, quelles sont les nouvelles recherches que ça peut permettre, à quel besoin ça répond, quel manque ça répond. Et bien sûr, le projet doit fournir à la fin des études de faisabilité, les études de design de la future infrastructure. C'est soit une nouvelle infrastructure complète ou des mises à jour majeures qui sont équivalentes en fait à un nouveau concept d'infrastructure. Aussi, je passe directement au dernier point en bleu, c'est l'impact environnemental. Du projet d'infrastructure doit être envisagé dès la phase de conception. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend directement de projet de concept. Alors bien sûr, en noir, c'est ce que j'ai déjà mentionné, c'est plutôt l'impact, donc l'alignement du paysage des infrastructures avec les besoins pour la recherche, la science excellente, tout ce qui est à la pointe de l'innovation et de la technologie, d'augmenter les performances, les capacités scientifiques et l'excellence du paysage des infrastructures en général. Et bien sûr, on répond à des besoins nouveaux, donc cette infrastructure ou cette mise à jour majeurs doivent fournir de nouveaux services, de nouvelles opportunités d'accès disponibles pour la communauté scientifique et en particulier, quand c'est approprié, répondre à des nouveaux défis sociétaux. Donc là, vous avez ce qu'on attend d'un projet. Donc, c'est vraiment, comme j'ai déjà mentionné, des nouveaux concepts pour une nouvelle génération d'infrastructures. Alors, ça peut être des infrastructures monosites ou multisites, distribuées ou virtuelles, qu'un pays ou un petit nombre de pays seuls ne peut pas implémenter. C'est contrairement aux appels 2023, c'est tout à fait bottom-up. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de priorité spécifique. Et donc, le projet doit prendre en compte toutes les questions essentielles pour le développement et le concept, ce qui concerne le concept technique, la faisabilité, tout ce qui permet de développer une nouvelle infrastructure. Donc, tout ce qui est la pertinence pour le. Démontrer la pertinence pour l'espace européen de la recherche, qu'est-ce qui est vraiment nouveau par rapport à ce qu'on a déjà, ce qui est déjà state of the art, quels sont les défis de recherche qu'il va permettre d'atteindre, quels sont les besoins pas encore remplis, qui n'existent pas encore, qu'elle permet de auquel elle permet de répondre. Et très important, comment ça se place par rapport aux autres infrastructures. Donc, quels sont les liens, la complémentarité, les synergies possibles.
Aussi, le projet doit fournir, doit identifier des aspects techniques, l'architecture, donc comme déjà mentionné, est-ce que c'est une seule infrastructure, un site, ou c'est distribué, est-ce que c'est une infrastructure virtuelle, quelles sont les communautés scientifiques auxquelles on s'adresse, les options de gouvernance, les options stratégiques, et comment on va construire l'engagement politique et financier des États, des institutions. Même si c'est préliminaire, on doit avoir des plans financiers pour l'implémentation, la construction éventuelle, mais aussi, surtout, souvent, c'est un point négligé, l'opération des infrastructures et toutes les idées pour la pérennité, le long terme, le financement à long terme, et tout ce qui est plan pour la gestion des données, le respect des principes FAIR. Important, simplement une composante d'une infrastructure ne suffit pas. Ça doit vraiment être équivalent à une nouvelle infrastructure, même si c'est une mise à jour importante d'une infrastructure existante. Alors, dans le programme de travail, dans le sujet, vous verrez que si approprié, les aspects environnementaux, l'utilisation des ressources, la consommation énergétique, etc., doivent être traités. J'ai un peu du mal à voir des cas où ça ne serait pas approprié. Mais donc, si vous ne traitez pas ces points, vous devez bien expliquer pourquoi ce n'est pas important, parce que vous devez convaincre les experts. Je passe maintenant au sujet 2. Donc là, il s'agit de coopération bilatérale avec une région, en l'occurrence l'Afrique. Donc là, c'est une action de coordination et de support. Le budget est de 3 millions. On attend deux projets à 1,5 million. Très important, le consortium doit inclure deux entités légales de deux pays différents de l'Union africaine. Là encore, les co-légibles, ce sont des lump sums et les mêmes ouvertures et clôtures de l'appel que tout à l'heure. Donc, ce qu'on attend, c'est un bénéfice pour la région Afrique avec des capacités de recherche, des infrastructures améliorées, mais aussi un bénéfice côté européen. Enfin, partager européen et région Afrique avec plus de collaboration scientifique et au niveau essayer d'avoir plus aligner mieux les stratégies en termes d'infrastructure entre l'Europe et l'Afrique. Donc, le projet doit couvrir tout ce qui est la coopération entre les deux régions, le partage des meilleures pratiques, comment structurer les capacités d'infrastructure au niveau entre les différents pays africains, au niveau pan-African level. Donc. Et donc, il faut vérifier ce qui a déjà été fait dans le précédent appel 2021. Donc, il y a un projet qui est en cours et qui s'adresse plutôt aux aspects changement climatique. Donc là, je ne sais pas pourquoi on n'a pas le nom du projet, mais c'est le projet CADI, K-A-D-I. Donc, vraiment proposer quelque chose qui est complémentaire et dans un domaine différent. De préférence, le projet doit s'appuyer sur des coopérations existantes ou des domaines d'intérêt existants. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui existe déjà en fonction de vos relations déjà avec des partenaires africains, de construire quelque chose qui est réaliste par rapport à ce qui est déjà. J'ai déjà mentionné, c'est les critères d'éligibilité. Je passe au dernier, je pense que c'est le dernier. Donc ça, c'est un sujet qu'on met de façon récurrente dans les appels à propositions, donc pour être sûr de pouvoir répondre régulièrement à des besoins d'Eric ou de Landmark Esfree pour leur développement, l'évolution et la pérennité à long terme. Donc un nouveau type d'action recherche et innovation. Budget de 8 millions. Donc après, selon le domaine, selon les objectifs du projet, donc des budgets, on s'attend entre 2 et 4 millions.
Ce n'est pas un financement à 100%, 80%, donc ça doit, pour vraiment être sûr que c'est quelque chose qui répond à des besoins, qui a un engagement de l'infrastructure et des financeurs habituels de cette infrastructure. Donc, au moins un projet ESFRI, Landmarks, donc là, ou un ERIC, donc là, c'est vraiment l'entité légale de cette infrastructure qui va permettre de satisfaire cette condition d'éligibilité. Donc, pas un nœud national qui peut bien sûr être participé au projet ou même coordonner le projet, mais il faut que l'entité légale officielle du Landmark ESFRI ou de l'ERIC soit présent. Et bon, l'ouverture et la clôture, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on attend de ce projet? Donc, c'est entre autres donc, de contribuer à structurer, à renforcer le paysage européen des infrastructures, développer des nouveaux services pour répondre à des besoins de communautés scientifiques plus larges, communauté d'utilisateurs d'ailleurs, et qui aussi répondent en particulier aux participants d'autres parties d'Horizon Europe, donc essayer de faire le lien avec en particulier les clusters, les missions, les partnerships et les autres piliers d'Horizon Europe ou au sein du pilier 1, ça peut être aussi en lien avec ERC et les actions Marie-Sklodowska-Curie. Donc, répondre à des nouveaux besoins ou mieux adresser des besoins scientifiques ou des défis sociétaux aussi. Donc, de façon générale, augmenter la capacité de répondre aux priorités européennes et ou le soutien aux industries en Europe, renforcer la compétitivité de l'espace européen de la recherche. Il peut y avoir aussi tout à fait des aspects de réduire l'impact de l'infrastructure elle-même, impact environnement, l'utilisation des ressources, consommation d'énergie, même si on a eu vraiment déjà des sujets en infratech, ou alors là c'était vraiment le développement de nouvelles technologies, nouvelles solutions, donc là c'est un peu plus limité, mais néanmoins c'est un retour qu'on attend de ce type de projet possible. Et bien sûr, toujours la pérennité de l'infrastructure à long terme. Donc, ça doit couvrir la consolidation du paysage des infrastructures. Ça peut être aussi l'opportunité de réorienter, de faire évoluer cette infrastructure. Des liens avec la coopération internationale ou de réviser le business funding plan de cette infrastructure. Il peut y avoir des aspects aussi liés au développement des compétences des personnels des infrastructures, la gestion, les aspects techniques, le staff technique de l'infrastructure. Ça peut être aussi de renforcer, de structurer les liens avec les nœuds nationaux ou les nœuds nationaux eux-mêmes. Il peut y avoir en particulier on pense les liens suite à la crise pandémique qu'on a eue récemment de renforcer l'extension des services à distance ou services virtuels de l'infrastructure ou tout l'aspect gestion de l'infrastructure elle-même. Il peut y avoir aussi des activités pour, donc comme mentionné, pour réorienter, évoluer l'infrastructure, puisque la tendance actuelle est, au sein d'ESFRI en particulier, c'est de commencer à limiter le nombre d'infrastructures nouvelles dans la roadmap ESFRI, donc de renforcer les infrastructures qui sont déjà dans la roadmap pour qu'elles répondent à des besoins supplémentaires ou qu'elles se mettent à jour pour couvrir des aspects qui sont peut-être laisser tomber des aspects qui sont moins importants et couvrir des aspects qui sont maintenant plus prioritaires.
C'est important pour les infrastructures qui ont déjà eu des projets dans le passé pour leur soutien individuel de vraiment mettre de façon explicite dans la proposition qu'est-ce que vous faites de différent et de nouveau dans ce projet. Puisqu'on voit qu'après un certain nombre de ce qu'on appelait les infra-DevSuite dans le passé, même Horizon 2020, Horizon Europe, donc qu'est-ce qui est vraiment marquant que vous faites maintenant et qui n'était pas couvert dans le passé? En quoi ça va avoir un impact? Qu'est-ce que vous allez vraiment changer? Et donc peut-être aussi, plutôt que de couvrir tous les aspects possibles d'évolution, de soutien d'infrastructure individuelle, de vraiment cibler des choses où vous allez avoir un impact marquant et différent de ce que vous avez fait dans le passé. Donc bien sûr, ce qu'on a approprié, c'est toujours important de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez changer pour limiter, pour rendre votre infrastructure plus verte, pour augmenter aussi les interactions, les liens avec l'industrie et les PME, soit au titre de fournisseurs de vos équipements, ou d'utilisateurs de vos infrastructures, ou parfois on ne fait pas la différence entre les deux, vos liens avec les infrastructures sont sur les deux plans en même temps, donc ça c'est très bien aussi. Et de façon générale, renforcer le potentiel d'innovation. Un point qui est de plus en plus important, c'est qu'on cherche, donc il y a eu des conclusions du Conseil à plusieurs reprises, c'est quand on cible des infrastructures ESRI ou des ERIC, donc des infrastructures européennes, mais on veut vraiment renforcer le lien avec les écosystèmes nationaux, bien sûr, régionaux et même locaux. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et donc là, c'est la suite. Donc je crois que j'ai terminé. Je pense que j'étais un peu trop longue. Désolée. Merci beaucoup Agnès. Donc c'était très intéressant et j'espère très instructif pour tout le monde. On aura encore, j'espère, un petit moment pour les questions-réponses après. Mais pour l'instant, je donne la parole à Pascal Vaury, donc notre PCN infrastructure de recherche qui fera le focus sur l'appel InfraDev 0101. Nous avons choisi cet appel. Nous avons choisi de mettre en lumière cet appel, car c'est un appel le plus ouvert dans cette destination. Donc, peut-être il intéresse le plus grand nombre de personnes. Cependant, vous pouvez certainement nous poser les questions sur les autres appels aussi à la fin des présentations. N'hésitez pas. Donc, voilà, Pascal, c'est à toi maintenant. Et tu peux aussi peut-être afficher un plein écran, parce que là, pour l'instant, on voit les slides à gauche. Merci. Et là Merci, Elena. Est-ce que là, c'est bon? Non. C'est invraisemblable, cette affaire. Alors, je recommence j'arrête ma présentation et je recommence. C'est les aléas du... Donc, je recommence. Présenter. Il ne veut absolument pas m'afficher le diaporama complet. Voilà. Là, normalement, ça devrait marcher. Oui, très bien. Super. Vas-y. Enfin, excusez-moi. Donc, on revient sur l'appel, on fait un focus sur l'appel 2022 InfraDev 001, enfin un focus, pardon, sur l'appel 2024 InfraDev 0101, Research Infrastructure Concept Development, en faisant en fait l'analyse des évaluations Summary Report de 2022 InfraDev 0101, qui est exactement le même appel et dans lequel on est allé chercher donc, les ESR et on est allé regarder un par un les projets qui ont été acceptés, refusés ou mis en liste d'attente pour en sortir les différents commentaires des experts et essayer de les résumer en fait, dans ces quelques pages. Concrètement, les critères sont, il y a trois critères d'analyse des dossiers. Il y a un critère d'excellence, il y a un critère d'impact, d'analyse des impacts prévus, et il y a un troisième critère qui s'appelle qualité et efficacité, qui me paraît pas clair en tant que tel. C'est en fait la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Donc, vous verrez que j'ai légèrement modifier mon slide pour coller à ça.
Donc, dans chaque cas, on est allé analyser ce qui était les plus et les moins de tous les ESR, donc dans l'excellence dans un premier temps, pour en tirer ce qu'on a vu qui était positif, parce que c'est souvent assez mélangé, en fait, hein, les plus et les moins. Donc, il y a des choses qui sont un tout petit peu logiques ou un tout petit peu banales. Pertinence et précision des objectifs en lien avec le work program, ça paraît assez évident. Par contre, ce qui ressort beaucoup et qui est moins évident, c'est la synergie ou la continuité avec d'autres appels européens ou avec la roadmap des esprits, puisque les landmarks en fait, d'esprits sont forcément des infrastructures de recherche. Ce qui revient énormément dans les ESR aussi, c'est le jugement des ambitions du projet pour repousser les limites de la science. C'est vraiment un terme qui revient souvent, et le fait d'être en avance ou de proposer, par exemple, pour un accélérateur, une puissance qui n'a jamais été faite ou quelque chose qui va vraiment permettre de dégager de nouveaux objectifs pour la science, est quelque chose de très important. Typiquement, bon, j'en reviendrai après. Ça c'est aussi assez logique, solidité de la méthodologie, des concepts, des modèles, des hypothèses et des approches interdisciplinaires sous-jacentes. J'insiste sur le thème, sur le sujet interdisciplinaire. C'est vraiment, l'interdisciplinarité est vraiment quelque chose qui est extrêmement bien vu et mis en valeur dans les commentaires, en fait, hein, où on y revient un petit peu après sur le critère impact. Et puis enfin, un critère important, c'est la qualité des pratiques scientifiques ouvertes pour la gestion et le partage des résultats aux utilisateurs finaux. Je reviens une seconde sur l'interdisciplinarité. Il y a également un critère qui est important, c'est la compétition des objectifs, enfin la compétition du projet avec d'autres projets européens ou d'autres systèmes ou d'autres infrastructures, même en dehors de l'Europe. Le fait de proposer quelque chose qui existe déjà quelque part ailleurs, même aux États-Unis, est relativement un point négatif. Donc dans les moins, c'est pareil, je vais aller vite sur les choses à peu près logiques, des objectifs vagues et génériques, une méthodologie peu décrite, des lacunes sur les aspects indisciplinaires, ou une politique pour l'ouverture des données de recherche publique qui n'est pas suffisante. Il y a un point important, c'est la définition insuffisante des communautés d'utilisateurs visées par l'infrastructure de recherche ou des communautés trop restreintes, ou une communauté trop restreinte éventuellement si elle est unique. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est jugé de façon assez négative. Le point projet en compétition avec d'autres de même grandeur, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, j'ai légèrement anticipé, hein, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment que ça soit du même ordre de grandeur au niveau ambition, mettant en puissance pour un accélérateur ou quelque chose qui utilise la même technologie. L'idée étant de proposer quelque chose de nouveau. L'autre point qui est assez mal vu, c'est quand les choix technologiques semblent aller de soi et ne sont pas justifiés. Voilà. Donc pour conclure sur ce point, excellence, les questions à se poser. Ai-je bien cerné le cadre de l'appel? Suis-je crédible sur la définition de mes objectifs et sur le lien avec le work program de la communauté européenne? Ai-je des outils d'évaluation objectifs? Sont-ils définis et pertinents? Les principes FAIR ont-ils été suffisamment détaillés? Et j'ai ajouté une note ici, pour ce topic spécifiquement, la dimension de genre n'est pas un critère d'évaluation, c'est quelque chose qui est extrêmement rare et qui méritait d'être mentionné. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide pour la suite. Donc pour les impacts, donc les conséquences, en fait, les résultats de la mise en œuvre du projet, un petit peu la même chose, des choses assez logiques, description claire des résultats, contribution à l'ensemble des impacts attendus par la Commission dans cet appel, intégration dans une démarche européenne existante, ça c'est un point assez positif, crédibilité de la stratégie, ça c'est pareil, c'est logique, ça c'est quelque chose qui est important et qui est souvent analysé, adéquation et qualité des mesures prises pour maximiser les résultats et les impacts attendus.
exploitation, le triptyque exploitation, dissémination et communication appropriée et détaillée, avec une identification précise des différents publics visés et des moyens mis en œuvre pour chacun d'eux, en fait. Dans ce cadre-là, le fait d'avoir comme public des industriels ou comme personnes avec lesquelles on échange ou avec lesquelles on va travailler ou développer des technologies est quelque chose de bien vu. Et il y a également, donc en dehors de l'aspect exploitation, dissémination et communication, transfert vers l'industrie ou échange avec l'industrie. Donc les moins, on revient à des choses pareilles, assez logiques, description vague ou générique des résultats et impacts, manque de crédibilité de la stratégie ou de sa mise en œuvre sur la durée du projet. J'ai lu notamment des critiques disant on ne voit pas bien comment les impacts vont être atteints dans les 2 ans ou dans les 3 ans du projet qui sont envisagés. Une erreur aussi qui est assez souvent relevée par les experts, c'est une confusion entre l'exploitation des résultats, qui est vraiment le fait de mettre à disposition les résultats qui soient en forme, en fait, qui soient utilisables. La communication, qui est vraiment la communication des résultats de la recherche, et la dissémination, qui est vraiment les résultats rendus disponibles pour tous, en fait, qui se transforment en bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent assez mélangé. On voit aussi des critiques sur les publics cibles qui sont mal définis ou des communications qui sont un peu fourre-tout. Communication tous azimuts, comme j'appelais ça, par exemple, réseaux sociaux de façon générale ou une liste de réseaux sociaux sur lesquels le projet a l'intention de... Ça, c'est des choses qui sont assez critiquées. Enfin, le dernier point qui est important, c'est la gestion de la propriété intellectuelle. Des problèmes de propriété intellectuelle générés par les progrès ou les aspects légaux associés aux données. Je pense notamment à tout ce qui est RGPD, tout ce qui est données sensibles, etc., qui seraient évasives ou pas abordées. Alors, je ne vais pas reprendre les questions à se poser qui sont plus de reprises là-dessus. Est-ce que j'ai quelque chose de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit? Non, j'en ai pas. Donc, je vais passer. Donc, à la qualité et à l'efficacité de la mise en œuvre du projet. Donc, c'est en gros tout ce qui est analyse du work plan et de la qualité et des compétences des membres du consortium. Donc, les plus, c'est vraiment le porteur qui a une gouvernance solide et qui est compétent pour gérer le projet, avec une expertise suffisante dans tous les domaines. Une complémentarité, une expérience et des compétences du membre du consortium prouvées. Un work plan, bon là c'est assez logique, c'est assez évident, hein, un work plan précis, logique, cohérent, que ce soit dans l'élaboration des work packages, leurs relations, les soutages dans les work packages, les livrables et les jalons qui sont prévus dans le projet. Des indicateurs clés de performance et des méthodes de mesure appropriées faisant sens. Un point qui revient très souvent, c'est vraiment l'analyse des risques. Une analyse des risques qui est faite de façon assez évasive et mal perçue, à l'inverse, une analyse de risque crédible et surtout des mesures de mitigation prévues et complètes sont extrêmement bien perçues. Enfin, Agnès en avait un petit peu parlé, une prise en compte appropriée de la soutenabilité de long terme du projet et de son efficacité énergétique dans beaucoup de cas et de son empreinte carbone si approprié, c'est un peu comme ça que moi je l'avais entendu dans les différents commentaires des experts. Dans les moins, ben, on retrouve un petit peu en négatif la même chose, hein, qualification des partenaires très hétérogènes. C'est pas forcément quelque chose d'éliminatoire, mais elle doit être justifiée et elle doit être explicitée au sens peut-être un partenaire qui peut être amené à progresser ou des choses comme ça, ou qui apporte une compétence qui est pointue dans un domaine qui est nécessaire. Donc des rôles mal définis, des work packages mal construits. Alors le suivi de l'avancée des différentes activités au fur et à mesure de work package aussi, c'est quelque chose qui est assez mal... les risques, on en a parlé. Alors ça par contre, c'est quelque chose que j'ai vu ressortir plusieurs fois. Évaluation imprécise du budget demandé, budget aux ressources humaines non adaptées aux objectifs des différents work packages, aux tâches de chaque partenaire.
J'ai vu notamment des critiques qui m'ont surpris sur, par exemple, des budgets de... Oh, zut, sur des budgets de... Je ne veux plus repasser en arrière. Sur des budgets de, notamment d'informatique qui n'étaient pas du tout au niveau de ce qui était de l'ambition de projet, alors qu'en général, tout ce qui est informatique est relativement budgété de façon généreuse, disons, et là, ce n'était pas le cas. J'ai aussi vu énormément de commentaires négatifs sur le fait que les ressources en hommes moines n'étaient pas suffisantes pour l'ambition du work package qui avait été décrit. Donc, dans les questions à se poser, sur quoi je vais insister, les procédures de contrôle des tâches prévues, la façon dont les différentes étapes sont validées et dont on passe aux suivantes, et puis l'évaluation des risques pour le projet. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Donc, on va laisser un peu de temps après aux questions, mais tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir un lauréat de l'appel InfraDev 2022, Monsieur Marcos Dracos. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, Monsieur Dracos, et pour votre accord de partager votre expérience de montage de projet InfraDev avec nous. Donc, c'est à vous. Merci, c'est un plaisir de vous faire partager mon expérience sur ces projets européens. Je ne sais pas si on voit c'est Pascal qui doit partager mes slides. Je suis en train d'essayer d'en chercher. Voilà, oui. Alors, je suis directeur de recherche au CNRS et je participe à ces projets européens depuis les années 2000. Et j'étais au début en 2005, autour de 2005, sur un FP6 où j'étais coordinateur d'un work package d'un de ces projets. Par la suite, on a réussi à passer, j'étais député d'un autre projet FP7, cette fois-ci entre 2008 et 2010, pour proposer des infrastructures de recherche, toujours sur la physique du neutrino. Donc, la recherche est fondamentale, ce n'est pas une recherche appliquée. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on fait de la recherche fondamentale, il faut préparer quand même l'avenir. Par la suite, j'étais passé à un projet COST pour monter de nouveau un réseau et continuer à faire ces demandes à l'Union européenne. Et on a réussi à passer deux projets successifs. InfraDev entre 2018 et 2022, et maintenant c'est au deuxième, à la première année du deuxième projet suite du premier. Alors je ne vois pas mes slides, je ne sais pas si. Ça devrait, ah. ça devrait oui. Passer. Non. Alors il y a une certaine partie dans ma présentation, voilà, c'est déjà fait, donc je peux passer à la deuxième page. Là, je ne vais pas insister trop puisque Agnès Robin et Pascal, juste avant, vous ont donné beaucoup d'éléments sur ça. Donc, il faut proposer une infrastructure de recherche nouvelle ou améliorer une infrastructure qui existe. Le budget, 3 millions d'euros, surtout dans notre domaine en physique des particules, n'est pas suffisant pour faire des prototypes. On peut faire des petits prototypes, je sais qu'en biologie, par exemple, ils peuvent les faire, mais dans l'autre cas, où il nous faut beaucoup de moyens, c'est pratiquement impossible. Donc, vous avez laissé 3 millions au maximum et vous pouvez financer jusqu'à 100% de votre projet. Page suivante. Oui, donc on peut. Donc voilà, c'est l'InfraDev 2022 auquel on a participé. Voilà, c'est ce qu'on a eu au début, à peu près à la même époque où on est maintenant, sur l'imminence de l'appel, qu'on attendait en novembre de l'année dernière, mais finalement il a été reculé en janvier 2022. On avait une date limite pour avril finalement et pas mars, comme on l'a vu auparavant. Cet appel avait un budget finalement de 21,8 mégaeuros. C'était annoncé un peu plus auparavant. L'Union européenne espérait d'en avoir une dizaine de projets qui passent. Finalement, on a eu 7 projets. Voilà, on peut passer Donc, c'est le but essentiel, c'est de proposer, c'est faire des études de faisabilité, comme je dis avant,
et passer par la suite à d'autres appels pour faire du R&D. Mais pour ça, il faut aller quand même sur la liste Esprit. Il faut être dans la roadmap Esprit. Et c'est un des buts essentiels de la deuxième demande qu'on a fait actuellement. Donc, notre projet plus concrètement, il se base sur la source d'espallation de neutrons qui est en construction à Lund. C'est donc une infrastructure européenne. La France participe significativement dans cette infrastructure. Donc, c'est pour utiliser le neutron dans différentes applications, allant de la biologie jusqu'à, par exemple, avoir des nouvelles batteries pour nos véhicules ou autres. Donc, c'est une infrastructure qui est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est assez conséquent. Et ce que nous allons proposer, nous, par-dessus, c'est ajouter, sans déranger les utilisateurs de neutrons, ajouter une facilité neutrino. Donc, c'est de la recherche fondamentale. C'est complémentaire à ce qui s'est fait au CERN. Page suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut étudier la disparition de l'antimatière dans l'univers. Pourquoi l'antimatière, alors qu'au moment du Big Bang, on a créé autant de particules de matière que de particules d'antimatière? Qu'est-ce qui a créé cette toute petite asymétrie? Par exemple, pour 10 milliards d'antiparticules, on avait 10 milliards et une particule de plus, et c'est celle-là qui a survécu, et c'est pour ça que nous sommes ici pour en parler. Donc, vous voyez que c'est vraiment de la recherche fondamentale. Pour l'instant, il n'y a pas d'application. C'est un projet qui est proposé pour les très long terme. On espère avoir notre facilité commencer à prendre des données dans les années 2040 dans un cas optimiste. Et voilà c'est ce qu'on avait devant nous pour monter notre projet, proposer les modifications à faire. Est-ce qu'on devait ajouter sur ESS pour la transformer en facilité neutrino? Et tout ce qu'on voit ici, on voulait utiliser l'accélérateur linéaire des protons, tel qu'il est actuellement à ESS, qui est un accélérateur très, très puissant. Il sera le plus puissant au monde dans son domaine. Et nous, on voudrait sortir le faisceau tel qu'il est utilisé par le neutron et l'envoyer dans un accumulateur pour avoir des impulsions de protons faibles et l'envoyer sur une cible et produire des neutrinos, et quelque part à 400 km avoir un grand détecteur de neutrinos pour faire notre physique et voir la différence entre les neutrinos et les antineutrinos. Donc, je ne vous demande pas de comprendre vraiment la finalité de ce projet, et c'est encore une fois de la recherche fondamentale. On peut passer à la page suivante. Voilà, donc voilà ce qu'on devait faire. On devait étudier des modifications sur les LINAC, comment créer le faisceau de neutrinos et par la suite où on doit mettre notre détecteur. Et finalement, avec un peu moins d'importance, mais il fallait quand même étudier la performance des physiques suivant le choix qu'on fait auparavant. Donc, il fallait baser nos wave packages sur cette chaîne que vous avez vue ici. Oui, alors vous aviez l'évaluation, ça, parce que oui, on peut aller à la page suivante. Pascal l'avait montré. Et pour l'évaluation, donc vous avez trois critères, l'excellence, l'impact et l'implémentation. Vous êtes noté sur 5. Vous êtes rejeté si vous avez moins que 3 sur un de ces éléments-là ou moins de 10. Mais bon, moins de 10, c'est déjà assez bas. Et je peux vous dire que si vous avez moins de 13,5, vous n'avez pratiquement aucune chance de passer. Le tout premier projet que j'avais fait, c'était on a eu 15. C'était très bien. Le deuxième, 13,5, était passé. Et celui qui est en cours, on a eu 14, on a perdu deux fois un demi-point. Donc, il faut bien lire les critères que vous mettez ici. Il faut se mettre à la place des évaluateurs et il faut que l'évaluateur trouve facilement les réponses à ces critères qui sont ici. On peut passer à la page suivante. Voilà, ça c'est, vous aurez un template. Vous aurez 45 pages. Avant, c'était 70, je crois. Maintenant, ça a diminué. Donc, vous aurez moins de textes à écrire et pas trop de fioritures. Dans ce template, vous avez beaucoup de commentaires. Suivez exactement les commentaires. Les sections et les sous-sections sont imposées. Ne modifiez rien. Ce n'est pas ici que vous devez innover. Et même si vous trouvez stupide ce qu'on vous demande, respectez ça. Mettez sous les commentaires votre texte et effacez les commentaires par la suite. Donc, il faut définir les wave packages les plus rapidement possible et les figer, parce qu'à chaque fois que vous voulez modifier, il faudra modifier tous les textes pour que ça aille avec les modifications que vous avez faites. Vous devez faire le task sharing entre les instituts aussi très tôt.
Ce n'est pas maintenant, par exemple, au mois de novembre, que vous allez commencer à travailler sur ça. Vous aurez 3 mois, ce n'est pas suffisant. Donc, on suppose que maintenant, vous avez déjà fait beaucoup de choses dans ce domaine. Il y a la contribution financière aussi qu'il ne faut pas négliger, répartir les moyens entre les travelling, les voyages, les salaires, les post-docs, etc. Et éviter d'avoir des participants de dernière minute. On ne vous demande pas de faire du volume dans les participants. Il faut avoir les participants qu'il faut pour le travail que vous proposez. Page suivante. Alors, voilà, ça c'est la structure de documents que vous aurez, et le template. Comme je disais, vous avez beaucoup de commentaires, beaucoup plus que ce que j'ai mis ici. Donc, mettez votre texte brutalement sous chaque section et sous-section. Alors, pour les Open Science, là, vous aurez un délivrable qui est imposé. Donc, ça serait dans les 6 premiers mois. Et pour le, aussi pour la dissémination aussi, vous avez un deuxième délivrable qui était nouveau pour nous. Donc, vous avez deux délivrables qui vous sont déjà imposés. Alors, suivez les objectifs et ambitions tels que vous les demandez et votre méthodologie. Sur l'impact, pareil, là, on vous suggère aussi le nombre de pages que vous pouvez mettre, vous pouvez suivre ou ne pas suivre. Alors, Pascal a parlé des propriétés intellectuelles. Nous, chercheurs, on a tendance à négliger ça, surtout en recherche fondamentale, puisqu'on ne dépose pas vraiment des brevets, mais ne laissez pas les champs libres, mettez quand même quelques phrases sur ça, sinon vous allez perdre un demi-point, et ça va être dommage, parce que c'est beaucoup, ça. On peut passer à la page suivante. Alors, l'impact, c'est l'endroit où on perd le plus de points. Alors, comme la commission était consciente de ça, il vous impose maintenant 2 pages avec ce tableau que vous voyez ici, une page pour chaque 3 tableaux. Remplissez-les, et soyez clair, soyez précis, pas d'imprécision sur ça, et faites ces 2 pages, étudiez-les bien, parce qu'encore une fois, c'est là où on peut perdre des points. On peut passer à la page suivante, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Et vous avez aussi l'implémentation. Ici, vous avez essentiellement des tableaux à remplir, les work packages, il faut bien les expliquer, le manpower, la main-d'œuvre que vous mettez sur ces work packages, il faut les justifier. Et vous devez décrire les work packages, il faut définir vos tâches. Ne mettez pas trop de tâches parce qu'on essaie la tendance qu'on a, et il faut mettre l'institut qui est responsable de chaque work package et de chaque tâche. Il faut que les instituts figurent au moins dans une tâche. Ne prenez pas à la dernière minute un institut et puis vous dire après, on verra pendant les projets où on va les mettre. Non, là, vous allez perdre des points. Donc, les instituts doivent figurer dans toutes ces tâches. Voilà, donc c'est à peu près ça. Alors, je passe maintenant dans notre cas concret. Comme je l'ai dit, on avait les projets COST entre 2016 et 2020. On l'avait utilisé pour monter le consortium préexistait, mais on l'a étoffé avec cette action COST, qui est vraiment très bien pour faire les réseaux. Mieux, c'est que l'ANR nous propose, ou le ministère maintenant, on vous donne 10 kg. Ça, c'était vraiment parfait pour ça. On peut passer à la page suivante. Donc, on a envoyé le premier projet en 2017, qui a été prouvé, on a commencé en 2018. Vous voyez la répartition des web packages. On en a 5 ici, mais il y a un premier qui vous a imposé, qui est le management de votre projet. Donc, n'en mettez pas trop non plus. Délivrable, n'en mettez pas trop non plus, parce que si par malchance votre projet passe, vous passerez votre temps à préparer des délivrables et des milestones. Et vous devez donner la structure quand même de façon claire dans un tableau. Les évaluateurs, ils aiment bien tout voir sur un tableau. La structure de votre projet, on avait un management team, on avait un cadre de running board, un executive committee avec les web packages. Et on avait aussi un international advisory panel pour montrer qu'on avait quand même un regard de l'extérieur et pas uniquement un regard de l'intérieur. On peut passer à la page suivante. On arrive vers la fin. Voilà, dans le premier projet, on avait 15aine d'instituts. Encore une fois, on ne vous demande pas de faire du chiffre et avoir 30aine d'instituts. On en a eu 15 ici, on a eu les 3 millions d'euros et on a produit un conceptual design report tel qu'on l'avait promis l'année dernière. On peut passer à la page suivante. On avait aussi des observateurs ou des partenaires. On peut passer à la page suivante. Donc, par la suite, on a soumis l'année dernière le deuxième projet. Ici, on était à 20 instituts. C'était un peu limite pour les 3 millions d'euros, mais bon, il a été approuvé.
Et on arrive à la fin, page suivante. Voilà, j'ai promis. Voilà, elle savait réussir. On a eu la réponse plus tôt que prévu au mois de fin juillet de l'année dernière, alors que c'était prévu pour le mois de septembre. Ça a pris un peu de temps par la suite pour démarrer les projets parce qu'il y a un litige sur un autre projet, pas sur les nôtres, un conflit d'intérêts, ce qui nous avait retardé de 2 mois, mais on a commencé au 1er janvier de cette année. Voilà. J'étais un tout petit peu plus long que ce qui était prévu. Mais si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dracos. Je pense que c'était très, très instructif, même si, effectivement, c'était ciblé sur une communauté particulière, mais c'était aussi un peu l'objectif de montrer comment chaque porteur monte son projet pour sa communauté. Donc, effectivement, c'était très intéressant de partager cette expérience avec nous. Écoutez, maintenant, je vous propose quelques minutes pour les questions-réponses. On a pris un peu de retard, donc essayons d'être... compact. Donc, posez vos questions. Nous avons déjà quelques questions dans le chat, mais si vous voulez poser les questions oralement, ça serait peut-être plus vite et mieux. Allez, qui veut se lancer? Alors, en attendant les volontaires, je vais relayer certaines questions qui sont sur le chat. La première question a été posée à Agnès par rapport à l'InfraDev 0103. Est-ce qu'il est possible que cet appel soit dupliqué en 2025? Alors, je vais... Ah, il y a de l'écho, c'est moi? Ok. Effectivement, c'est un peu tôt pour donner des réponses précises, mais c'est ce type d'appel, on l'a proposé de façon récurrente au fil des programmes de travail et même des programmes cadres. Donc, pour l'instant, dans ce qui est prévu, oui, on prévoit de continuer à accompagner les différentes phases de l'évolution du cycle d'une infrastructure européenne. Donc, le concept... la phase préparatoire quand on est dans la roadmap ESFRI, le support à l'implémentation individuelle ou par groupe d'infrastructures, c'est ce qu'on continue à proposer. On va voir si c'est validé et si c'est implémenté. Très bien, merci. Merci Agnès. Donc, écoutez, comme on a dit, on aimerait bien vous... voir avec vos questions ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y avait une question. Oui, Agnès, tu veux rajouter quelque chose? Ah, micro est éteint. Je vois dans le chat que j'aurais dit qu'il fallait peu de partenaires à un moment. Je ne me rappelle pas avoir dit ça. Donc, peut-être que je me suis mal exprimée. Je ne peux pas commenter ça. Je ne crois pas avoir dit que dans les appels, il fallait un projet, il fallait peu de partenaires dans un consortium. Alors, on reviendra sur cette question parce que je pense que Laurent a rebondi dessus, mais on va donner la parole à Raffaella Torchio qui lève la main pour alterner entre questions en live et questions de chat. Oui, bonjour. Je viens d'écrire aussi dans le chat. Vous m'entendez? On vous entend. Il y a un peu d'écho, mais on vous entend. Ouais. Je voulais savoir si cet appel InfraDev 01 pour être aussi adapté pour un TDR, un Technical Design Report. Je suis désolé, je n'ai pas compris, le sujet et après, je n'ai pas réussi à comprendre. Excusez-moi. Alors, je voulais savoir si cet appel peut être aussi adapté pour faire un design plus poussé. Alors là, c'était un exemple d'un CDR, donc un Conceptual Design Report. Est-ce qu'on peut faire avec ça aussi un technical design report? Alors moi, je ne me suis pas présentée, je travaille à l'SRF. On a un grand projet d'installation de la compression dynamique en installant un laser sur le synchrotron. On l'a déjà fait en partie, mais il y a tout en partie qui reste à faire. On a déjà les concepts, mais il faudrait vraiment faire le technical design. Si vous permettez, je peux répondre à cette question, puisque c'est le problème que nous avons nous aussi. Et la réponse, à mon avis, c'est non. Vous ne pouvez pas parce que le budget n'est pas suffisamment élevé. Nous, en physique des particules, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on voudrait aller sur la liste ESFRI pour appliquer sur InfraDev 2,
là où on peut commencer à avoir du R&D. Vous ne pouvez pas faire un Technical Design Report avec une FranDev 1. C'est des études de faisabilité sur papier. Il vaut plus que ça pour un Technical Design Report. Au moins, c'est le cas dans physique des particules. Vous disiez donc, c'est lequel le projet qui est adapté? Je pense qu'il faut passer à InfraDev 2 par la suite. InfraDev 2. Il faut être sous la, il y a une précondition d'être sous la liste Esprit. Merci. Donc, on a d'autres personnes qui ont levé la main. Oui, on peut donner la parole à justement Laurent Saint-André. On ne l'entend pas. Du coup, OK, micro est coupé. Passons pour l'instant à la personne suivante, alors. Monsieur Mortier? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai un très rapide commentaire à faire sur le nombre de partenaires. Donc, moi, j'ai été bénéficiaire de deux design studies dans le passé, enfin, FP7 et H2020. Et donc, pour une infrastructure, un design d'infrastructure distribuée. Donc, effectivement, là, on a tendance à augmenter le nombre de partenaires pour essayer d'être représentatif. Le bilan fait après ces deux design studies, c'est que ce n'est pas toujours une bonne idée parce qu'on a certains partenaires qui sont difficiles à engager dans une activité qui est quand même assez spécifique, qui est celle du design. Donc, réfléchir au partenariat en prenant des partenaires qui, bon, scientifiquement, sont pertinents, mais qui n'ont pas forcément des compétences de projection dans le futur pour faire un design, c'est peut-être une chose vraiment à réfléchir. Et je ne sais pas si ce n'est pas un conseil que m'avait donné, malgré tout, Agnès dans le passé. Mais voilà, mais c'est spécifique peut-être au cas des infrastructures distribuées. Voilà mon retour d'expérience. OK, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, Agnès? Je ne sais pas, réaction? Oui, ce que je peux commenter, c'est qu'il faut… Il y a à nouveau de l'écho, pardon. Ce que je peux commenter, c'est qu'il faut que le consortium soit construit sur la base de qui est nécessaire pour faire quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans votre consortium des partenaires parce que vous avez des bonnes relations avec eux et vous voulez leur faire plaisir. Ils doivent avoir un rôle précis en fonction de leur expertise et de leurs ressources pour contribuer aux tâches et aux délivrables du projet. Donc, ce n'est pas parce que c'est une infrastructure distribuée que vous devez avoir un représentant de tous les nœuds ou de toutes les institutions. Qu'est-ce qu'ils font pour le design de votre infrastructure? Donc, ça rejoint ce que disait Laurent maintenant, c'est quel est leur rôle, à quoi ils contribuent. D'accord, super, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend. On vous entend, super, ouais. je confirme ce que vient de dire Agnès, en fait. On a pris une stratégie pour l'infradev d'ouvrir large parce qu'on a besoin d'une interdisciplinarité forte sur l'adaptation des forêts. Et par contre, pour la feuille de route Esprit, de restreindre uniquement aux partenaires qui vont être soutenus par leurs ministères respectifs. Est-ce que cette stratégie-là convient ou est-ce qu'il faut d'emblée mettre la condition faut que vous soyez soutenu par le ministère et puis dans ce cas-là on va tomber à 15 partenaires, 10-15 partenaires quoi, voilà. Et sur 5 ou 6 pays. Là, votre question, elle est un peu… en fait, il y a deux choses dans votre question. Vous répondez à l'appel InfraDev, mais oui. Vous voulez déjà maintenant monter… On se projette aussi à l'esprit, oui, c'est ça. Ouais. Oui, vu mon expérience à l'esprit, Agnès complétera peut-être. En fait, quand on arrive à l'esprit, on doit être déjà bien mûr et on ne peut pas… juste arriver en même temps avec un design très rapidement. Donc, il faut voir à quel point votre consortium est déjà mûr et prêt à candidater à l'Esprit, parce que je vous informe juste que l'Esprit va bientôt commencer la mise à jour de la feuille de route. Il faudra soumettre ces projets peut-être dans un an. Est-ce que vous allez avoir le temps pour préparer tout ça? Donc, oui, peut-être oui. On est déjà prêt, en fait.
D'accord. Mais dans ce cas, moi, je ne vois pas d'inconvénient, en fait. Je pense que pour le design, on peut avoir les partenaires qui souhaitent participer dans le projet. Et justement, même si leur ministère ne se tient peut-être pas encore, peut-être au cours, pendant cette année de préparation, les ministères vont suivre. Je pense qu'il ne faut pas se restreindre tout de suite uniquement au pays dont le ministère se tient, parce que d'habitude, il n'y a pas beaucoup de ministères qui se tiennent dès le début le projet. Il faut les convaincre, il faut y aller avec les arguments, il faut du temps. Donc peut-être, petit à petit, vous allez pouvoir amener les ministères. OK, merci. Donc, écoutez, maintenant, nous avons encore deux personnes qui veulent poser des questions. Nous sommes hyper en retard. Je vous laisse quand même poser vos questions, mais très vite. Et les réponses aussi, on va essayer de faire très vite. Et passons aux autres destinations. Donc, Michel, je ne vois pas le nom. Michel Tixier-Bochard. On ne vous entend pas. Sinon, on passe à quelqu'un qui s'appelle Roland Guest. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Je voulais savoir s'il est possible de faire cofinancer l'étude par tes contributions in-kind des partenaires. Par exemple, un partenaire qui apporterait 50% en termes de contribution des FTE et l'autre moitié serait apportée par Infradev. Comment est-ce que c'est vu, ça? Agnès, est-ce qu'on sait comment c'est vu? Donc, ce que vous devez mentionner dans le projet, donc parce que ça dépend, il y a des projets où de toute façon, on ne finance que, je ne sais plus si on est dans toujours le premier Infradev ou si c'est de façon générale. Oui, c'est ça. Ah oui. C'est... Donc, si vous ne demandez pas 100% de ce que vous avez besoin, c'est encore mieux. Ça montre l'engagement des partenaires. Donc, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif. Par contre, il y a une contrainte, c'est-à-dire que si vous décrivez l'ensemble du projet, même si c'est couvert à 50%, par le financement européen, ce qui va être jugé pour la réussite et le suivi du projet par les collègues, les project officers qui vont suivre le projet, c'est l'ensemble du projet, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être plus accommodants si vous ne réalisez pas les objectifs, vous ne délivrez pas ce qui est attendu, ça ne change rien si vous êtes financé à 50% ou à 100%. Alors, je vous ai donné l'exemple de mes deux derniers projets. L'avant-dernier, c'était à 165%. Financé par l'Union européenne, le reste c'est des salaires fournis par le CNRS et les autres partenaires. Et le deuxième projet est financé à 60%. D'accord. Ok, bah écoutez, c'est clair, merci. Merci beaucoup. Donc, la dernière question, Madame Tixier-Bochard. J'ai mis un casque, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, bon. Alors, ma question, c'était l'intérêt, ou pas, enfin, d'avoir communiqué avec un scientific officer sur le projet d'infrastructure. J'ai pas vu que ça avait été trop mentionné, parce qu'il n'est pas dans le service infrastructure, mais c'est un scientific officer du domaine de recherche. Et j'ai eu l'impression que quand on avait expliqué un peu à l'avance le projet d'infrastructure, même si ce n'était pas quelqu'un qui était dans le secteur infrastructure, qui pouvait intervenir. Alors, est-ce que c'est utile de contacter un scientific officer en plus, en accompagnement de sa préparation de projet d'infrastructure? C'est peut-être la question pour Agnès. Vous parlez d'un scientific officer de la Commission? Oui, ou des... oui. Oui, qui alors n'intervient pas que sur les infrastructures. C'est... Oui. Donc normalement, la Commission ne peut pas échanger sur des détails d'une proposition en cours de montage. Hein. Donc on peut clarifier. Mais, je précise, c'est pas pour les détails, hein, on sait écrire quand même. C'est un peu sur la pertinence du domaine. Est-ce que ça peut être bien reçu dans ce domaine-là par rapport, ça peut nous rassurer sur le fait de la valeur ajoutée dans le paysage, parce que le scientific officer, il a une vision large de ce qui est déjà soutenu et de ce qui est discuté sur ce qui manque.
Alors, si effectivement vous voulez faire que l'infrastructure réponde à des besoins de différents clusters ou d'autres parties de Horizon Europe ou des priorités européennes, si vous avez des échanges sur quels sont les besoins, les priorités, des clarifications sur les priorités des différents clusters, les missions, les partnerships, bah, c'est toujours bon à prendre. Mais ça va rester au niveau général, puisque. Un scientific officer va jamais vous dire oui, votre idée d'infrastructure est très bien ou ne peut pas vous commenter un projet de proposition de façon précise. Oui, et de toute façon, concernant les infrastructures européennes, vous avez la Bible, Esprit, Roadmap. Vous regardez là-bas, vous regardez quelles sont les tendances, quels sont les manques, quelles sont les perspectives et qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est aussi à partir de là qu'on peut imaginer des choses qui sont nécessaires éventuellement pour les communautés scientifiques. Bon, bah écoutez, merci D'accord. beaucoup pour merci. Toutes ces questions. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on passe maintenant à EOSC parce qu'on est déjà hyper en retard. On n'aura jamais le temps pour les questions sur d'autres destinations. Donc, je passe la parole tout de suite à Volker Beckmann, donc mon collègue de la DGRI SSRI A7. Volker, merci beaucoup. C'est à toi maintenant. Voilà. Partage des slides, ça marche? Oui, on voit très bien. Oui, parfait. OK, alors, EOSC, le European Open Science Cloud. Alors, ça, c'est cette approche d'avoir un Web of Fair Research Data and Services. Comme vous avez vu, il y a pour 2024, comme avec les autres appels, la ouverture prévue pour le 6 décembre, avec une date limite mars 2024. Voilà, alors nous avons dans le programme maintenant 61 millions d'euros prévus pour 9 projets en total. Et ça, c'est quelque chose toujours à communiquer à les collègues qui veulent proposer. C'est normalement pas prévu d'avoir beaucoup de projets. Alors, c'est vraiment nécessaire d'avoir les consortiums très distribués en termes de communautés, mais aussi en termes des pays en Europe. Voilà, et j'ai quelques informations sur chaque appel, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, alors vous avez accès sur le slide, sur la présentation après, et vous pouvez garder les détails un peu plus profonds. Voilà, alors le premier, c'est connecter, ça c'est une appel thématique, parce que ça c'est connecté avec la mission Adaptation to Climate Change. Ça veut dire, c'est aussi pour soutenir la recherche dans ce domaine, mais c'est toujours évident, quand vous proposez quelque chose dans le contexte de EOS, c'est nécessaire de penser sur l'impact aussi dans l'écosystème de European Open Science Cloud. Ça veut dire de penser qui sont les autres chercheurs dehors de mon domaine qui peuvent utiliser les services, les données que j'ai préparées. Voilà, et comme d'habitude aussi là, ce n'est pas spécifiquement pour développer les données faire, etc., mais pour connecter les repositoires existants, les systèmes des repositoires existants avec les autres données dans le domaine. C'est aussi important de réfléchir qu'est-ce que la relation avec le Green Deal Data Space. Alors, si vous êtes dans ce domaine, c'est nécessaire de garder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau européen dans ce contexte. C'est prévu d'avoir deux projets dedans. Voilà, alors il y a un peu de possibilités d'avoir différents aspects dans les deux projets. Le deuxième, ça c'est pour soutenir les EOSC Partnerships. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les EOSC Partnerships, ça c'est les contrats entre la Commission européenne et la EOSC Association pour mise en place la stratégie pour les EOSC. Et voilà, alors c'est nécessaire de garder qu'est-ce qui se passe dans la gouvernance des EOSC. Qu'est-ce qui est nécessaire pour augmenter l'impact des EOSC? Et dans le contexte là, peut-être que ça c'est intéressant après cette
projet est financé, il y a aussi la possibilité pour le cascading grants dedans. Alors, vous pouvez aussi bénéficier de ça. Troisième, c'est pour soutenir un réseau des repositoires au niveau européen. Alors, comme j'ai dit aussi avant, dans le contexte de 0101, c'est pour connecter les repositoires existants et de faire un réseau. Et ça, c'est aussi toujours en vue qu'est-ce qui était déjà fait. Alors, par exemple, dans le appel, il mentionnait Horizon Infra 2021, ça c'est Fair Impact. Alors, vous pouvez regarder qu'est-ce qui fait Fair Impact. Et aussi, ça c'est aussi prévu d'avoir une collaboration forte avec le projet OSCAS et avec le projet qui gagnait à la fin 2024, 0104. Alors, là aussi, en avis, c'est toujours de regarder qu'est-ce qui se passe dans les différents projets et comme vous pouvez connecter vos propositions avec les services existants. 04, ça c'est pour la préservation des données sur le long terme, mais avec un focus sur le standard, sur la qualité des services, des données. Et aussi là, c'est nécessaire d'aligner avec la proposition mentionnée avant et avec le projet IVERS qui est financé. Voilà, et la dernière, et c'est peut-être les appels les plus ouverts pour les différents domaines, parce que ça, c'est prévu pour soutenir les nouveaux services, les nouvelles données dans le écosystème des EOS, et c'est prévu d'avoir 4 projets. Alors, il y a vraiment la possibilité d'avoir un consortium peut-être ciblé sur un certain domaine de recherche et d'augmenter les services dans le contexte EOSC. Voilà, et là, c'était aussi mentionné, serait bien d'avoir les PME dans le consortium qui répond à cet appel. Voilà, je veux aussi mentionner un projet qui est déjà financé. Alors, ça, c'est le projet OSCARS. Et la raison, c'est dans ce projet, c'est prévu d'avoir un grand vague de third-party financing, alors de cascading grants. Alors, c'est prévu d'avoir un volume de 18 millions d'euros distribué dans un petit projet avec une taille de 100 vers 250 kilo-euros et avec une durée de 1 an, 2 ans. Voilà, et là, il y a la possibilité de proposer les petites avances dans la fiérisation des données, des mises en place les nouveaux services, d'intégrer services dans le portail de EOSC, etc. Voilà, et ça, c'est aussi un RIA, alors ça, c'est vraiment pour soutenir la recherche. Voilà, et vous avez vu, ça c'est avec les projets, c'est avec les CNRS, les ESRF, Daria, IREC. Mais si vous travaillez dans un des organismes qui font partie de ce projet, vous pouvez également bénéficier des third-party grants, parce qu'il y a une exception dans ce cas. Voilà. Et c'est pas toujours facile de trouver le cascading grants. Alors, ça, c'est seulement pour souligner, il y a ce portail au niveau de la commission qui fait la communication des cascading grants. Alors, une fois les appels des Oscars est ouvert, ça, c'est dans cette portail de la commission. Et ça, c'est prévu pour mars, mais peut-être il y a aussi un peu de délai, mais c'est nécessaire de garder un peu cette opportunité. Voilà, ça c'était seulement très bref, les appels EOS. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter moi ou les bureaux de Horizon Europe ou MESR. Nous sommes toujours là pour discuter de vos propositions et aussi pour discuter si votre projet a vraiment les parties impact
Et ça, c'est toujours une question très, très importante de souligner l'impact, pas sur votre recherche, mais sur les EOS. Et ça, c'est un message très important pour toutes les propositions éventuelles. Voilà, merci. Merci beaucoup, Volker. C'était très intéressant. Comme toujours, c'est très intéressant, toute cette nouveauté EOSC. Simplement, je vous explique pourquoi ici, dans ce webinaire, on n'a pas consacré beaucoup de temps à tous ces appels. Simplement parce que Volker, il anime vraiment de très près la communauté scientifique chez nous qui s'intéresse à EOSC. Donc, il organise aussi les réunions dédiées à cette thématique. C'est pour ça que vous pouvez, comme Volker a dit, le contacter directement avec toutes vos questions, peut-être aussi à participer à des réunions dédiées à EOSC. En revanche, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a levé la main quand même avec éventuellement une question pour Volker, c'est ça? Oui, mais je peux le contacter à part. Si non, mais peut-être que cette question intéresse tout le monde. Posez la question, simplement essayons d'être bref. Oui. Et oui. Donc, Bonjour Volker, Adnan Gribi du GANIL, on s'est déjà vu avant. Alors nous, on est en train de préparer un projet qui n'est pas dans Infra EOSC, c'est un Infratech, mais dont une partie a une connexion très forte avec par exemple EOSC 0105. Et bon, on n'a pas les ressources pour aller cibler plusieurs projets en même temps. Et ce qui serait intéressant pour nous, par exemple, c'est une connexion avec d'autres projets qui visent, par exemple, EOSC 0105 ou d'autres EOSC. Alors, comment on sait? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce qu'il y a quelque chose? Comment on sait qui est en train de préparer quoi pour 2024? Voilà, ça, c'est toujours une question comme... avoir accès à un consortium qui est en train de préparer une proposition. Et voilà, il y a la possibilité très officielle au niveau de la commission, il y a une page web où on peut indiquer l'intérêt de participer dans un consortium. Normalement, ça c'est... ça c'est une possibilité, mais normalement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de succès des entrées. Ouais. Voilà. Mais comme ministère, nous n'avons pas la possibilité de connecter les différents consortiums parce que nous ne connaissons pas qui propose. Et il n'y a pas une obligation d'informer les ministères si vous proposez. Mais alors, si vous connaissez les collègues, par exemple, vous travaillez dans un labo au CNRS, vous pouvez contacter votre responsable EOSC au CNRS pour connaître qui au niveau du CNRS peut être déjà intégré ou au niveau du CEA. Voilà. Et ça, c'est un avis normalement en général. Alors, contactez les experts dans votre établissement qui probablement connaissent mieux qui a demandé pour connecter avec un consortium. Ok, très bien. Et comment on trouve cette information? Qui est responsable au CNRS pour EOSC? Ça, c'est Suzanne Dumouchet. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Parfait. Donc, écoutez, maintenant, je pense que... Oui, Agnès, tu lèves la main, mais de toute façon, maintenant, c'est à toi la parole, parce qu'on passe au prochain point. Est-ce que je peux juste réagir rapidement sur cette question-là? Oui. Donc, c'est très bien d'essayer de faire la connexion entre différents sujets. Dans certains domaines, c'est même requis dans le texte. Par contre, faire attention que si vous ciblez un projet particulier qui est candidat, par exemple, à EOSC 05, Si ce projet-là n'est pas financé, vous ne créez pas un risque au sein de votre projet, votre proposition, et que ce risque soit détecté par un expert, par exemple. Donc, formulez ça de façon intelligente. Tout à fait. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment aborder ça, parce que quand on présente un projet qui est beaucoup plus large que la thématique EOSC, mais qui inclut une partie Fair Data ou repo spécifique à une discipline, on risque de nous poser la question, pourquoi vous n'avez pas regardé sur la partie EOSC? C'est un peu faible pour être spécifiquement que EOSC, et donc on est obligé de voir comment créer les liens. Et du coup, je ne sais pas vraiment si vous avez des propositions ou des conseils là-dessus. Mais...
Bon, bah, écoutez, très bien. Passons maintenant aux présentations infratech parce qu'on nous sommes vraiment hyper en retard. Et si on a le temps à la fin, on posera toutes les questions qui restent à la fin de présentation. Donc, Agnès, merci beaucoup pour la suite. Alors, je vais tenter de repartager ça. Est-ce que vous voyez ce qu'il faut Oui, très bien. Parfait. Alors, je ne suis plus au bon endroit. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, Infratech, je crois que je vais aller assez vite parce qu'il y, a, il y en a plusieurs. Donc ça, comme tout à l'heure pour InfraDev, c'est vraiment les objectifs très généraux sur l'ensemble de la destination et l'impact donc, qui ne va pas forcément coller avec chacun des topics, mais vous avez une idée de… Donc, l'objectif vraiment Infratech, ce n'est pas simplement des changements incrémentaux, c'est vraiment développer des nouvelles technologies. Donc, il y a vraiment un saut qualitatif ou quantitatif à faire. Ça peut s'agir d'instrumentation scientifique, mais aussi tout type d'outils, des méthodes, des solutions digitales. Et donc, ça doit vraiment amener à des nouvelles découvertes et vraiment garder les infrastructures à un niveau d'excellence vraiment important et ouvrir la porte à des solutions vraiment innovatives, que ce soit pour les défis sociétaux, pour l'industrie, etc. Donc, cette perspective de… on fait vraiment un saut qualitatif, quantitatif pour notre infrastructure et on voit ce que ça peut donner en dehors de la science elle-même et l'impact ailleurs pour la société et pour l'industrie. Je vais aller rapidement sur ces impacts qui sont un peu génériques et passer tout de suite au premier des sujets. Pardon. Donc, c'est comme tous les infratechs, ce sont des actions recherche et innovation. Vous avez ici le budget et les budgets indicatifs de 5-10 millions par projet. Et on en déduit le nombre de projets qu'on pourrait éventuellement financer. Bien sûr, si tout le monde choisit le maximum, on aura moins de projets, ou le minimum, il y aura plus de projets. Donc, il y a les fameuses références, l'éligibilité. Donc, dans ce cas-là, c'est des conditions un peu strictes, c'est-à-dire qu'on doit avoir au minimum trois infrastructures différentes qui soient, c'est et ou, des esprits, donc ça peut être autant landmark que projet, des ERIC ou des infrastructures intergouvernementales, Intergovernmental Organization of European Interest. Donc on n'a pas vraiment de définition précise, mais on a des équivalents dans Horizon Europe et dans le passé, dans Horizon 2020. Donc une infrastructure qui a une entité légale qui a déjà été validée dans le passé, dans Horizon 2020 comme une organisation internationale et d'intérêt européen, donc sera contrat pour l'éligibilité. Bien sûr, ça c'est pour les conditions d'éligibilité. Donc, tous les d'autres infrastructures ou d'autres partenaires qui vont avoir un rôle, effectuer des tâches nécessaires dans le cadre du projet, sont bienvenus, bien sûr. Ça ne se limite pas à ce critère d'éligibilité. De même, pour par exemple, un ERIC ou une infrastructure esprit distribué, il faut que ce soit l'entité légale qui soit dans le projet pour satisfaire la condition d'éligibilité. Par contre, bien sûr, tous les nœuds ou les partenaires techniques sont bienvenus dans le projet s'ils ont un rôle précis et peuvent même coordonner l'infrastructure. Il n'est pas nécessaire que les infrastructures qui contribuent à l'éligibilité coordonnent le projet. Donc c'est pareil, c'est un sujet qui est un peu récurrent, qu'on a déjà eu dans le passé. On attend que suite au projet, on améliore vraiment la compétitivité des infrastructures européennes, qu'on augmente leur capacité à répondre aux défis scientifiques, aux défis de recherche, mais aussi éventuellement, selon les infrastructures, à répondre aux priorités politiques de l'Union européenne. Ça peut aussi permettre d'ouvrir
des opportunités pour le développement de nouvelles de compagnies pour l'innovation, d'augmenter la collaboration des infrastructures avec les universités, les organisations de recherche et l'industrie via ces projets. Ça peut aussi avoir un impact ou permettre d'augmenter le niveau technologique de l'industrie. Et donc ça peut être par le biais de co-développement de technologies avancées ou aussi envisager la création de nouveaux marchés. Donc ça, c'est si c'est approprié. Par ces développements technologiques aussi, ça peut permettre de faciliter l'intégration de l'infrastructure, que ce soit une infrastructure monosite ou aussi des infrastructures développées, distribuées, pardon, dans l'écosystème d'innovation, que ce soit local, régional ou global. Hein. Donc, un autre aspect à prendre en compte, c'est la promotion de la culture de l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que doit couvrir un projet? Donc, ça doit couvrir des solutions innovatives en termes d'instrumentation scientifique, mais aussi des méthodes, des outils. On a parlé de solutions digitales, donc vraiment avancer l'état de l'art de l'infrastructure en Europe, dans les États membres et les États associés. Et ça doit vraiment permettre de transformer l'infrastructure dans son opération de tous les jours. Ça peut être aussi de fournir des nouveaux services vraiment améliorés, avancés, et de couvrir des nouvelles domaines scientifiques ou d'étendre la communauté des utilisateurs, y compris des utilisateurs industriels. Donc là, il s'agit vraiment d'avoir des nouvelles technologies donc cutting edge qui vont permettre déjà mentionné des nouvelles politiques au niveau européen ou d'adresser des défis sociétaux et économiques. Alors, j'ai déjà mentionné que ce type de sujet est récurrent. Donc, il est important de montrer à quel point c'est complémentaire de ce qui a été déjà fait dans le passé. Donc, on a particulier on avait des appels 2022. Donc, ça doit cibler des instrumentations, des outils, des méthodes, des solutions vraiment différentes. Et donc, ça doit être explicite dans la proposition. Hein. Donc, on construit autour de trois infrastructures qui contribuent à l'éligibilité, mais bien sûr, on s'attend, si nécessaire, à ce que ça inclue d'autres infrastructures ou des technologies, des partenaires technologiques, y compris de l'industrie, des SME, des PME qui vont contribuer aux tâches du projet. Si nécessaire, il peut y avoir des PCP, des activités de sous-traitance telles que décrites dans l'annexe H. Donc, j'ai l'impression qu'on répète un peu ce qu'on a déjà dit. Ça peut inclure aussi donc selon les budgets disponibles, la validation des technologies et même des prototypes. Si nécessaire, et ça peut aussi couvrir la formation des staffs des infrastructures afin de permettre de mettre en œuvre ces nouvelles solutions. Ça peut aussi avoir les aspects validation technique de nouveaux standards industriels. Et enfin, couvrir l'exploitation de ces solutions pour le bénéfice de la société, preuves de concept par des SME. Donc, c'est bien compris que ce sujet, c'est pour le bénéfice de l'infrastructure, mais pour mettre à bien en œuvre ce bénéfice, on peut avoir des impacts et des activités qui ciblent l'industrie ou d'autres partenaires. Le deuxième topic, c'est sur
les aspects de aspects sociaux de la transition green transition. Donc là, c'est un budget de 5 millions. On attend un seul projet, plus ou moins. Ce qu'on attend, c'est la capacité d'infrastructures dans le domaine qui vont permettre de faciliter la transition verte et tous les aspects sociaux liés à cette transition. Donc, ça peut contribuer aussi au service de différentes missions et partnerships, mais toujours les aspects sociétaux liés à ces transitions. Ça peut, dans le domaine des aspects sociaux, c'est en particulier avoir les sets de données appropriées, les harmoniser, de pouvoir les collecter, les analyser, les visualiser. Ça peut aussi couvrir les collaborations entre différentes infrastructures et des acteurs au sens large, qui inclut la société civile pour adresser ces différents défis. Vraiment avoir quelque chose d'innovatif au niveau des outils, des solutions et couvrir des domaines, les aspects sociaux de la transition qui liés par exemple l'aspect lié à la pauvreté dans le cadre de la transition qui concerne l'énergie, le transport, les nouveaux métiers, les nouvelles compétences de cette transition, les aspects d'égalité, de genre et la transition pour être neutre au niveau climatique. Ce qui est important, c'est quand on développe des nouveaux modules, que ce soit intégré avec des collections existantes. On sait que, en particulier dans Esfri, dans la roadmap Esfri, il y a un nombre d'infrastructures que, dans le domaine des sciences sociales qui ont déjà des collections, des surveys en place. Et donc, ce qui est important, c'est de, si le projet développe de nouvelles surveys, de bien faire le lien, puisque on s'attend à ce que ces nouvelles surveys, ces nouveaux outils, ces modules vont être pérennes et vont s'insérer dans le paysage des infrastructures et des services qui sont déjà délivrés par des infrastructures existantes. Donc ce lien avec le paysage existant pour assurer la pérennité au-delà de la fin du projet, c'est quelque chose à mettre vraiment en aspect. Mais ben, je vais aller un peu plus vite. Le niveau 3, le sujet 3, donc cela c'est très ciblé Destination Earth, donc les Digital Twins, un budget conséquent de 45 millions d'euros. On attend des projets importants de l'ordre de 15 millions d'euros. Et donc il y a des conditions, bien faire attention aux conditions sur l'accès la propriété intellectuelle. Il y a des conditions précises mises dans le sujet, donc vérifier bien ça. Donc là, on vous rappelle le contexte de Destination Earth et ce qu'on attend du projet doit délivrer au niveau de nouveaux twins digitaux qui devront progressivement être intégrés dans Destination Earth. Il s'agit aussi de standards et de standards pour tout ce qui est modélisation, prédiction et évaluation des systèmes Terre et de leur impact socio-économique. Donc là, vous avez toute une liste de ce que doit couvrir le projet. On voit que c'est assez large puisqu'on couvre aussi bien l'atmosphère, l'océan, la surface terrestre, l'hydrologie, cryosphère, biosphère. Donc c'est vraiment très, très ouvert, que ce soit les données satellitaires ou les données in situ, etc. Et là, c'est important, à mon avis, de se lier avec un nombre d'infrastructures qui délivrent des données, en particulier celle de la roadmap Esfri. Développement de composantes scientifiques, développement de nouveaux softwares et de façon de manipuler les données, etc. Ce topic 4, là, donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle,
budget conséquent de 24 millions. Là encore, un budget, on attend peu de projets, un budget attendu pour par projet de l'ordre de 12 millions d'euros. Et là encore, des conditions sur tout ce qui est la propriété intellectuelle en lien avec Destination Earth. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sujet-là est en lien direct avec Destination Earth, mais peut couvrir des aspects, on peut avoir des projets qui s'éloignent, qui ne sont pas restreints au sujet de Destination Earth. Donc, c'est important de lire bien le sujet tel qu'il est décrit. Donc là, vous avez le contexte. Je ne suis pas du tout familière avec le domaine, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup. Donc vous avez le contexte, vous avez les résultats attendus. Et un point important, c'est toujours, peut-être qu'il est important de rappeler, c'est l'intégration dans les écosystèmes innovation, bien au niveau local, régional ou global, comme approprié. Donc ça, c'est important de mettre explicitement dans la proposition comment ça se lie avec ces différents écosystèmes. Vous avez le scope, donc je ne vais pas relire tout ce qui est mentionné là. C'est important vraiment de lire, donc là c'est vraiment un résumé, mais d'aller vraiment dans le texte exact du programme de travail. Mais c'était le dernier. Je pensais que je n'allais pas assez vite. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Parfait. Effectivement, lisez attentivement le programme de travail. Maintenant, je vous propose de donner la parole à Amadou Mané, notre PCN bien expérimenté, qui va faire un focus sur le premier Infratech, donc 0101. Amadou, c'est à toi maintenant. Et il nous reste 15 minutes avant la fin de notre webinaire. Donc, Amadou va faire sa présentation et va vous expliquer ce que la Prio d'Ose expliquait. S'il nous reste le temps pour les questions, on va prendre quelques questions, sinon ça va être les questions écrites au PCN Infrastructure et on aura plaisir de vous répondre ensuite individuellement par mail. Amadou, donc. Je reprends la main pour la projection et puis tu me dis si ça marche parce qu'une fois que je projette, je ne peux plus voir si ça a marché ou pas. Vas-y, je te laisse faire. Normalement, ça devrait être bon. Nickel, c'est bon. Tu peux aller à la première slide, s'il te plaît. OK. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter un peu une version assez épurée d'un retour d'analyse des différents ESR qui ont été soumis dans l'appel Infratech 0101 2022. Donc, assez épurée faute de temps parce qu'on préfère privilégier vos questions. Également parce que les supports seront disponibles et qu'on reste à votre écoute pour tout approfondissement. Donc, c'est un peu selon le même canevas que présenté par Pascal, selon les trois critères, donc excellence pour commencer. Ce qui ressort dans les points qui ont été appréciés par les évaluateurs, c'est évidemment l'originalité des services et des applications. Donc, il faut vraiment être au-delà de l'état de l'art, le prouver, l'expliquer et surtout démontrer en quoi ces nouveaux services vont permettre de toucher une communauté d'utilisateurs très large. Il y a aussi comme point très important, ça a été rappelé mais j'insiste dessus, sur le fait que la contribution des entreprises est attendue au titre de co-développement et pas uniquement au titre de end-user. Donc les industriels que vous allez associer au consortium devront vraiment contribuer à la réalisation des nouveaux produits et des nouveaux services. Ce ne seront pas uniquement des industriels qui viendront tester la finalité des services proposés. Ces services proposés devront être évidemment disponibles au sein des infrastructures du consortium et être élargis si cela est possible. Donc, comme point négatif essentiel que je reprends, c'est vraiment une histoire de cohérence en fait. Il faut vraiment que la durée du projet, le budget demandé et puis les objectifs en termes de maturité technologique soient cohérents. Donc on a par exemple un projet qui proposait de mettre sur le marché un produit dès la fin des 4 ans du projet.
Et commencer vraiment à un niveau de TRL très bas, un niveau de maturité technologique, ce qui a vraiment été relevé comme étant un objectif trop ambitieux. Donc, posez-vous les bonnes questions par rapport à ces points-là et surtout ne négligez aucun détail. Ensuite, on peut passer à la slide suivante sur, je crois, le critère impact. Donc, le critère impact, il y a plusieurs choses essentielles. La première, elle a déjà été mentionnée sur l'infradev, mais c'est encore plus parlant ici, c'est tout ce qui va être lié à la propriété intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle, c'est un actif, c'est quelque chose que vous devrez vraiment anticiper, élaborer avec soin, et certains sont allés jusqu'à en faire vraiment un work package à part entière. Donc, ça va être finalement toute la stratégie de valorisation. D'où est-ce qu'on part? Si jamais il y a un potentiel d'innovation, à qui appartiennent les résultats? Quel partenaire va être plutôt désigné pour valoriser? Et tous ces éléments-là doivent être évidemment précisés si cela s'applique au projet. Parce qu'on n'est pas dans le pilier 3, on n'est pas dans le pilier innovation, on n'est pas dans les EIC accélérateurs. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un produit qui sorte au terme du projet. On s'attend à ce que, comme disait Agnès, il y ait un saut technologique. Donc, si ce saut technologique-là est envisagé, il faut vraiment avoir une stratégie en termes de propriété intellectuelle vraiment bien assise et bien justifiée. Ensuite, dans les impacts, on a toujours ce commentaire qui est fait. Il y a vraiment une confusion entre la communication, la dissémination et l'exploitation. Chaque terme renvoie à des activités bien précises, avec un public bien précis. Il y a une documentation qui est sortie émanant de la Commission européenne sur comment faire la distinction entre les trois. On pourra vous la mettre à disposition en même temps que les diapos, mais vraiment faire attention à la visibilité du projet pour le grand public, donc ça c'est plutôt communication, à l'utilisation en fait, finalement des résultats par les scientifiques, mais pas uniquement dans la science ouverte, on va dire, ça va plus être la dissémination, comment on réutilise mes résultats, comment est-ce qu'ils contribuent à faire avancer la science, aussi bien par les parties prenantes scientifiques que, par exemple, les États ou autres. Et puis, l'exploitation, c'est comment je valorise finalement les end users. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a un projet de start-up? Qu'est-ce qui va émaner à court, moyen, long terme de mon projet? Et je vais conclure par le dernier critère, s'il te plaît, Pascal, qui est la qualité et l'efficacité dans la mise en œuvre. Je pense que tu l'as rebaptisé, Pascal, mais c'est bien. Donc finalement, en fait, ici, une fois qu'on a vraiment défini nos objectifs, qu'on est sûr de la pertinence scientifique, qu'on a crédibilisé nos impacts, il faut vraiment expliquer comment on va y arriver. Donc là, finalement, ce critère-là, qui s'applique à tous les projets européens, c'est plus l'évaluation de la structuration de votre projet. Est-ce que cette structuration, les work packages, donc les tâches, les sous-tâches, les milestones, les délivrables et toutes les échéances, est-ce qu'il y a bien une cohérence et surtout, est-ce qu'il y a bien une crédibilité? Donc, on est sur un appel qui est très, très concurrentiel, très compétitif. Il faut vraiment tout envisager, y compris les risques. Et si vous avez plusieurs blocs d'innovation au sein de votre projet, il faut vraiment que vous associez une échelle de maturité bien précise à chaque bloc d'innovation et qu'il y ait évidemment une synergie entre chacun d'entre eux. Parce qu'on peut être très innovant sur une partie ou moins sur l'autre. À ce moment-là, l'autre partie qui est moins innovante, il faut justifier sa présence et vraiment le relever. Sinon, ça fera un point négatif dans l'évaluation de la mise en œuvre et de l'impact. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais on préfère respecter la pause méridienne et surtout profiter de la présence d'Agnès pour répondre à vos questions. Je m'arrête là et je vous donne la parole pour vos questions sur les infratechs de manière générale. Merci beaucoup, Amadou. Donc, vous avez 10 minutes pour les questions, chers collègues, donc allez-y. Donc, Adnan Gribi qui a, je pense, levé la main en premier pour une question rapide. Si possible. Allez-y, on vous écoute. Oui, rapide. Bonjour, Amadou. J'ai une question qui concerne la contribution des entreprises. Donc, pour qu'une entreprise contribue à Infratech 001 en tant que partenaire ou en tant que subcontractor, est-ce qu'il y a des critères particuliers à respecter? Par exemple,
un montant des ressources ou autre critère particulier. Qu'est-ce qu'il y a comme critère pour les entreprises, pour les Infratech 0101? Je peux répondre rapidement, Agnès, ou tu veux y aller? Non, j'allais juste dire peut-être une évidence, une généralité. Donc, si vous attribuez un rôle à une compagnie dans le projet, d'abord le rôle de cette, comme n'importe quel bénéficiaire finalement, doit être précisé, doit correspondre à l'expertise et aux ressources disponibles au sein de ce partenaire. Donc, il n'y a pas de a priori sur quel doit être le rôle d'une. Mais forcément, on s'attend à ce que vous allez avoir des partenaires industriels. Ils vont participer que si ils y voient leur propre intérêt. Donc, il faut faire attention quelle est la balance entre comment ça contribue au projet et si c'est une PME, est-ce qu'elle a les ressources pour délivrer ce qu'elle promet de délivrer, puisqu'on sait que un projet de recherche en infratech, c'est 4 ans, et une PME, ça peut avoir des objectifs à court terme qui ne sont pas forcément compatibles avec un engagement dans un. Donc, vous devez aussi faire attention à ça. D'accord. Donc, pas de contraintes légales côté projet européen? Non, pas rien que je vois. OK. Merci beaucoup. On enchaîne avec la question de Giulia Galluccio. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question toujours sur l'Infratech 0101. Est-ce que les accès transnationaux virtuels ou pas sont obligatoires? Dans le cadre du projet, l'accès n'est pas prévu. Donc, très non bien. Seulement ce n'est pas obligatoire, mais théoriquement, ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, c'est de l'accès, pas forcément transnational, mais alors là, vous devez avoir passé par des. Vous ne pouvez pas utiliser les coûts unitaires qui sont vraiment spécifiques. La méthode de calcul des coûts avec les fameux unit cost sont réservés à la destination infraserve. Donc, si vous avez de l'accès pour tester une nouvelle méthode, une nouvelle technologie. Ça sera en coût réel. Oui, ça sera en coût réel. Bien sûr. Et du coup, j'en profite pour enchaîner sur l'Infra EOSC 5. Là, par contre, c'est les TNA sont prévus. Ça, c'est plutôt une question pour. Je ne crois pas qu'on ait du TNA dans le. C'est... Non, j'avais vu. À ma connaissance, c'est uniquement Infraserve. Hein. Mais d'accord. Bon, maintenant, j'ai un doute. C'est plutôt la question pour Volker. Oh, je ne suis pas complètement sûr, mais je suis d'accord avec Agnès. Ça serait pas comme d'habitude. Oui, j'ai vérifié rapidement dans notre programme de travail. Donc, tout à la fin du programme de travail, il y a les deux, trois dernières pages sur Specific Feature for Research Infrastructure, là où on distribue l'accès transnational. Et je vois qu'ils font référence à différents topics under the InfraServe. Et aussi, il y avait les projets pour la réponse rapide au COVID-19. D'accord, merci. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous avons encore trois personnes qui ont levé les mains. Continuons avec Madame Michèle Texier-Boichard. Oui, merci. Donc, j'ai juste une question courte à propos de l'appel concurrentiel. Quel est le taux de succès en chiffres? Si c'est très concurrentiel, c'est-à-dire quoi? C'est à peu près quoi. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Ça dépend vraiment des destinations, des topics. Et puis, d'un appel à l'autre, on a des candidatures. Le nombre de candidatures varie. Je dirais que c'est concurrentiel, mais on n'est pas au niveau, comme c'est quand même des sujets un peu ciblés, des infrastructures, c'est pas les acteurs, toute la communauté scientifique n'est pas impliquée, donc on n'en est pas au stade des actions Marie Curie où il y a quelques pourcents, le taux de succès de quelques pourcents. Ça peut être selon les appels, si c'est Infratech, je dirais, ça peut être facilement 30%, 40% de taux de succès. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah bon. Bon, d'accord, merci.
Je peux vous prendre un exemple sur l'appel que j'ai étudié, là, le InfraDev 01 de 2002, donc qui est dans le celui de 2004 et dans l'axe. Je vais vous donner la somme après parce que je ne l'ai pas souvenu. InfraDev ou InfraTech? Moi, c'était juste InfraDev. InfraTech, moi, c'était ma question. Ah, ça, je l'ai pas exactement immédiatement. Attendez, je vais regarder si je le trouve rapidement. InfraTech. Parce qu'InfraDev, on a participé, on a vu que ça fonctionnait. Enfin, c'était un peu comme un projet européen. Enfin, c'était du même ordre de grandeur. Mais comme là, il a été dit seulement pour InfraTech que c'était très concurrentiel, c'est oui. Vous ma question. Oui. C'est moi qui l'ai dit. Accepté. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. J'en ai 18 rejetés. Donc, rejetés, c'est absolument pas accepté parce que pas assez d'argent. Et puis, il y en avait deux en réserve. Donc, vous voyez, il y a les 14 plus deux en réserve. Et puis, on a quatre éliminés, mais les éliminés, c'est quand les notes sont en dessous de 10. Hein, donc. Merci Pascal. On passe à la question suivante, mais juste pour rappeler qu'en fait, on avait prévu d'inclure justement les chiffres des taux de succès précédents. On n'a pas voulu le faire pour ne pas être trop ambitieux et le timing nous a donné raison, donc on l'inclura dans les diapositives qui seront envoyées en support de présentation. Voilà, comme ça vous verrez, puisque la notion de sélectivité est subjective. Je passe la parole à M. Mortier, je crois. Oui, bonjour. Le call insiste beaucoup sur le côté groundbreaking et puis l'innovation, mais l'innovation, est-ce qu'elle peut résulter de la fédération de technologies anciennes dans le cas des… Bon, je pense que Agnès voit ce à quoi je pense. On peut avoir besoin de fédérer typiquement des technologies informatiques anciennes qui ont fait leurs preuves, mais c'est leur fédération qui permet d'offrir des services qui sont véritablement groundbreaking. Donc, est-ce que si on mélange du vieux avec du neuf, pour faire du neuf, ce sera vu positivement par l'évaluation? Bon, je pense qu'on peut bien le démontrer. Hein. Voilà. C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais qu'il faut être très convaincant au niveau de la proposition, puisque le groupe d'experts va voir des choses qui sont faire du neuf, que du neuf, avec ce que vous décrivez. Donc, il faut être très convaincant et vraiment expliquer qu'est-ce qui est… là, on parle vraiment de « next generation of scientific instrumentation ». Donc, c'est « oui, next generation of tools, methods ». Oui, il faut vraiment bien le présenter. Hein. Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il me semble que voilà, si on ne pourra pas aller au-delà si on ne fait pas ce travail-là. C'est ça notre argumentaire. Et du coup, bon, c'est effectivement indispensable pour le futur, mais ça s'appuie sur des technologies qui ne sont pas forcément groundbreaking. Voilà. Ça me semble défendable, mais ça demande un travail de formalisation, de présentation important. D'argumentation, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, passons maintenant à la question de Monsieur Louis Brandel, rapidement, parce qu'il est déjà midi. Donc, Louis. Oui, merci. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Alors, merci beaucoup. Je voulais poser une question par rapport aux critères d'éligibilité du InfraTech 0101. Alors, oui, on a bien vu qu'il y avait, du coup, il fallait qu'il y ait trois infrastructures Esfri ERIC. Et je voulais demander, en termes de, au moment de l'évaluation, si une proposition, alors, bien sûr, remplit ses critères, mais n'est pas coordonnée par un de ces trois Esfri ERIC. Déjà à quel point c'est pris en compte dans l'évaluation, et ensuite s'il y a des conseils en termes de positionnement et d'apport pour les infrastructures dans le consortium pour un peu être mis en avant au moment de l'évaluation. Alors, comme j'ai déjà indiqué, donc on fait la distinction entre les critères minimums pour l'éligibilité. Et après, la construction du consortium lui-même et qui coordonne. Donc, il n'y a aucun… Il y a rien qui mentionne que ce soit une des infrastructures qui contribue à l'éligibilité qui doit coordonner le projet.
Cela dit, il faut que la coordination fasse sens et par une entité qui a les ressources et peut-être une certaine expérience de la coordination. D'accord, merci. Merci beaucoup, Agnès. Donc, midi 02, Philippe Segers pose une question. Donc, Philippe, tu as une minute. Oui, je voulais d'abord remercier Volker de sa réponse sur le lien OHPC et OSC, et puis savoir si c'était possible de développer un peu sur ce qu'il voyait comme, alors, pas forcément au niveau OHPC, mais même au niveau national entre EOSC et puis les parties EuroHPC nationales. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait intervenir dans ces... dans cet appel, là pour l'instant, comme ça, je n'ai rien vu d'évident. Ok, merci. Volker, est-ce que tu peux répondre à cette question rapidement? Alors, je n'ai pas compris, Philippe, ça c'est une question pour EOSC ou ça c'est une question pour InfraDev? Sur l'InfraDev et EOSC, sur les futurs appels EOSC, Au niveau InfraDev, lesquels tu voyais qui pouvaient avoir une pertinence en termes d'HPC? Voilà, alors tu as vu les programmes pour 2024, il n'y a pas un axe pour HPC et EOSC dedans. Et pour les programmes futurs, nous n'avons pas commencé la discussion pour le programme de travail 2025. Ok, donc okay, c'est ce qui me semblait aussi, voilà, tu me confirmes. Pour l'instant, il n'y a pas de lien direct à ce niveau-là. OK. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus de mains levées. Donc, on peut imaginer que même si vous avez plein de questions, vous n'osez plus parce qu'il est trop tard et parce qu'on répète tout le temps qu'on est en retard. Mais c'est vrai, il est déjà midi 04. Donc, je vous propose qu'on s'arrête peut-être là s'il n'y a pas de questions urgentes. En revanche, vous pouvez toujours nous contacter avec l'adresse mail générique psn-infrastructure@recherche.gouv.fr. Vous pouvez aussi nous contacter individuellement parce que je pense que vous connaissez maintenant nos noms et vous avez nos adresses mail. Vous avez aussi beaucoup d'informations sur le site Horizon Europe donc du ministère. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette aventure. N'hésitez pas, contactez-nous, posez-nous vos questions et nous serons ravis de vous répondre. Je pense qu'on peut terminer notre séminaire ici. Et comme Amadou l'a dit, on va enregistrer, on va mettre sur le site l'enregistrement, comme ça vous pourrez voir, revoir tout ce qu'on a dit ici. Et je pense que comme ça, vous allez garder des bons souvenirs de nos échanges aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon appétit, bon après-midi, bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.